Bonsoir, chers panélistes. Madame, démarrez le webinaire. Démarre le webinaire. Et ça a déjà démarré. On dit que vous êtes dans une session d'entraînement. Bon, vas-y. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers membres et sympathisants de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Chers collègues, parents d'élèves et élèves, comme nous l'avions promis, nous continuons toujours la série de synthèses et aujourd'hui, c'est au tour de l'histoire et la géographie, mais plus précisément la géographie. Et nous sommes avec deux éminents professeurs d'AG qui vont nous parler un peu de l'analyse des graphiques en géographie. Et avant de démarrer, je vais profiter de l'occasion pour remercier notre partenaire Amina Diagne, directrice de Mina Pro, Maimouna Diakhaté, directrice présidente de l'association Synergie pour l'éducation numérique et aux médias. Monsieur Khalil aussi, membre de Senom, et nos techniciens qui est empêché, et à tous les professeurs qui ont permis la ré réalisation de ces synthèses, et aux membres de Senom aussi. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Ousmane Faye, professeur d'histoire et de géographie au lycée Ousmane Sow de Gagnago. Ousmane, tu as la parole. Merci beaucoup, Aissatou, Madame Aissatou. Chers élèves, nous voilà dans ce dernier numéro pour les élèves de concernant les élèves de terminale pour les synthèses renforcement organisées par l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias terminale. Je vous emboîter le pas surtout dans les remerciements, en remerciant d'abord Mina Pro qui a mis gratuitement pour le compte de Senom
son compte pour nous permettre véritablement de réaliser ces synthèses et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite et à la réalisation de ces synthèses. Donc, l'ironie du sort, l'histoire et la géographie a ouvert ces synthèses et c'est l'histoire et la géographie également qui va clôturer les synthèses au profit des élèves de terminale. Encore une fois, nous rappelons que ces rencontres constituent un moment pour aider les élèves de terminale à surmonter quelques difficultés dans le cadre de la réussite de leur bac. Et c'est dans ce sens que nous recevons aujourd'hui Monsieur Charles Sitornour, professeur d'histoire et de géographie au lycée de Koumbal, dans l'IA de Kaolack. Donc, la séance d'aujourd'hui va porter sur l'analyse de graphiques en géographie. Nous savons que les élèves ont souvent, d'une part, une difficulté pour construire des graphiques pertinents, mais l'autre difficulté surtout est liée à l'analyse. Donc, dites deux difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés. Et c'est dans ce sens que Monsieur Lourd, à l'honneur, va nous entretenir dans cette séance de l'analyse de quelques graphiques en géographie pour vous aider véritablement à surmonter ces difficultés. Monsieur Ndour, vous avez la parole. Voilà. Merci, Monsieur Fay. Bonjour à tous. Donc, merci, Monsieur Fay. Bonjour à tous. Je commencerai d'abord par vous remercier. Remercier mon ami Monsieur Fay Aboubacar qui m'a mis en rapport avec vous. Vous remercier aussi pour cette œuvre que je juge de charité que vous êtes en train de faire pour les élèves de terminale. Voilà, tout le monde sait qu'à cette période, à quelques encablures du bac, tous les élèves sont stressés. Et donc, tout le monde se pose la question, comment pourrais-je faire pour réussir au bac? Et donc, des initiatives de ce genre sont à saluer alors. Et donc, je vous remercie pour cela. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'analyse en géographie. Et comme M. Fay l'a signalé tout à l'heure, pendant les discussions, avant qu'on ne commence, aujourd'hui, j'avais proposé à M. Fay de travailler spécialement sur le diagramme en barre, mais il m'a dit que oui, on peut faire un focus sur le diagramme en barre, mais ce serait mieux qu'on commence par présenter d'abord la méthodologie, les questions méthodologiques d'une manière générale en ce qui concerne l'analyse en géographie. C'est pourquoi nous avons adopté ce plan que nous vous avons soumis. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur l'analyse en géographie. Donc, slide. Voilà. Et donc, tout le monde, vous tous, vous savez, autant que les élèves, que le commentaire en géographie porte sur plusieurs documents, des documents qui peuvent avoir des natures diverses. Donc, le commentaire en géographie, en tout cas si on se fie au sujet qui sort au bac, est donc porté sur des documents comme des textes, des tableaux statistiques, des photos, des images iconographiques. Ça peut porter sur des cartes, sur des graphiques et j'en passe. Et donc, c'est souvent une compilation de deux ou trois, hein, de toutes les façons, plusieurs documents qui sont soumis à l'élève et qui représentent pour l'élève des ressources et donc sur lesquelles l'élève doit s'inspirer pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir sa démarche en ce qui concerne l'analyse. Au suivant. Et donc, l'analyse graphique. Donc, qui nous réunit aujourd'hui, donc fait partie de ce commentaire de documents en géographie. C'est donc une partie intégrante. Ce n'est pas tout le commentaire, mais c'est une partie du commentaire. Parce que dans le commentaire, il y a les notions de calcul,
il y a les constructions graphiques, il y a également l'analyse et peut-être d'autres types de consignes. Et donc, mais nous travaillons spécialement donc sur l'analyse qui peut constituer une des consignes, n'est-ce pas, au niveau du sujet du bac, donc au niveau de l'examen. Au suivant. L'analyse graphique, le plus souvent au niveau des sujets qui sortent, est intitulée souvent, comme, donc, est souvent appelée. Donc, c'est ce que communément on appelle interprétation d'un document ou d'un, n'est-ce pas, d'un graphique. Et le plus souvent, dans les consignes, on demande de construire un graphique. Et après la construction, on demande d'interpréter le graphique. Donc, aujourd'hui, l'analyse graphique que nous vous soumettons va porter sur donc, cette interprétation des graphiques. Et cette interprétation consiste à donner du sens à un graphique que vous avez déjà construit. Donc, si dans la même consigne, on vous demande de construire et d'interpréter, l'interprétation donc porte sur le graphique qui est déjà construit. Suivant. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons le plan suivant. Donc, dans la première partie, nous allons faire un bref rappel des deux principaux types de graphiques qui sont étudiés en terminale. Étant entendu d'ailleurs, d'abord, qu'on peut avoir, n'est-ce pas, peut-être un autre type qu'on n'a pas l'occasion de citer ici. Et, par exemple, ce sont les autres types de graphiques. Mais ici, nous sommes focalisés spécialement sur deux principaux types de graphiques qui sont étudiés en terminale. Ensuite, nous allons faire une revue théorique de l'analyse graphique en géographie. Donc, revenir sur la méthodologie, n'est-ce pas, de l'interprétation en géographie. Et enfin, ça sera en guise d'exemple, nous allons faire un focus sur l'interprétation du graphique en barre, donc du diagramme en barre, spécialement. Suivant. Maintenant, nous allons commencer alors par la première partie, c'est le rappel, le bref rappel des deux principaux types de graphiques en terminale. Suivant. Le premier type que nous allons vous présenter, ce sont les graphiques d'évolution. Les graphiques d'évolution, comme son nom l'indique, ce sont des graphiques, n'est-ce pas, qui permettent, donc au suivant, prochaine slide, ce sont des graphiques qui permettent la représentation de l'évolution d'un phénomène dans le temps. Et donc, ce sont des graphiques qui se reconnaissent le plus souvent au niveau de l'axe des abscisses du graphique avec des années, de toutes les façons, n'est-ce pas, un espace-temps qui est représenté. Donc, le plus souvent des années, pour le diagramme ombrothermique, on aura des mois. Mais c'est toujours un temps qui est représenté. Et maintenant, l'objectif, c'est de représenter, représenter, vous voyez, l'évolution de ce phénomène, n'est-ce pas, en fonction du temps qui est représenté, dans l'espace-temps qui est représenté. Suivant. Et parmi les graphiques d'évolution, nous citerons d'abord la courbe d'évolution, que les élèves connaissent très bien, le diagramme en banderole, le diagramme en barre, le diagramme en bâton, etc. Et donc, ce sont des graphiques. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que les diagrammes en barre et les diagrammes en bâton qui vont représenter, on va considérer comme étant des graphiques d'évolution au niveau de leur axe des abscisses à la place de pays, par exemple, ce sont des dates, ce sont des années qui vont être représentées. Donc, voilà donc quelques exemples de graphiques d'évolution donc qui permettent de représenter l'évolution d'un phénomène dans le temps. Suivant. Et maintenant, l'autre type de graphique que nous allons vous présenter également, ce sont les graphiques de répartition. Les graphiques de répartition, suivant, ce sont des graphiques
Suivant, prochaine slide. Donc, ce sont des graphiques qui représentent la distribution d'une donnée entre différents pays, différentes régions, différents continents, etc. Donc, ici, la différence qu'on va noter avec le graphique, les graphiques d'évolution, c'est qu'au niveau de l'axe des abscisses de ces graphiques de répartition, on n'aura pas des années, mais nous aurons plutôt des pays, par exemple, ou bien des régions, des continents, des sous-régions, etc. Donc, ça sera la différence avec le graphique d'évolution. Donc, ici, l'objectif de ce graphique de répartition, c'est de montrer comment est-ce qu'une donnée s'est répartie en fonction des différents pays, en fonction des différentes régions et des continents qui sont représentés. Suivant. Et maintenant, parmi les exemples de graphiques de répartition, nous allons noter le diagramme en barre qui revient. Mais sa différence avec le diagramme en barre comme graphique d'évolution, ici, au niveau de ces diagrammes en barre, nous aurons, au niveau de l'axe des abscisses, des pays ou des continents ou des régions, etc. Nous avons aussi le diagramme à bâton, le diagramme triangulaire, et donc le diagramme à bâton et le diagramme. La différence, c'est qu'avec le diagramme en barre, il y a des bandes, alors qu'avec le diagramme en bâton, son nom l'indique, nous avons des bâtons, des sortes de lignes verticales, autant pour moi. Et le diagramme triangulaire aussi, et donc c'est un diagramme, comme son nom l'indique, qui a la forme d'un triangle, et donc qui permet, qui représente une donnée, n'est-ce pas, comment dire, comme je peux dire, une donnée tripartite, comme si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, exemple, la structure socio-professionnelle, hein, la structure population avec les jeunes, les adultes, les vieux, avec les différents secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, et n'est-ce pas, ce sont ces genres de données que représente le diagramme triangulaire. Mais dans tous les cas, le diagramme triangulaire permet de montrer la répartition d'une donnée en fonction de ces trois structures. Ensuite, nous avons les diagrammes circulaires et semi-circulaires, qui sont également des diagrammes de répartition. Et aussi, nous avons le diagramme en tiroir d'ordre, qu'on appelle aussi le diagramme en rectangle empilé, n'est-ce pas, ou rectangle superposé. Donc, ce sont là des exemples de diagrammes de répartition parmi tant d'autres. Suivant. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre exposé qui porte sur la revue théorique de l'analyse graphique en géographie. Autrement dit, n'est-ce pas, la méthodologie, hein, de l'analyse graphique en géographie. Et il faut savoir donc que cette méthodologie est composée de trois étapes. Donc, l'analyse en géographie ou l'interprétation est composée de trois étapes. La première étape, c'est la description. La deuxième étape, ce sera l'explication. Et la troisième étape, l'extrapolation. Dans la première étape, la description va dépendre du type de graphique que nous avons. Pour les graphiques d'évolution, il s'agira d'abord de dégager la tendance générale. Par exemple, avec la courbe d'évolution, il s'agira de dégager la tendance générale de la courbe. Et donc, il s'agit de voir est-ce que cette tendance est régulière ou irrégulière. Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est une tendance haussière, c'est-à-dire ascendante, ou est-ce une tendance stationnaire, ou est-ce que nous avons une tendance descendante ou baissière? Donc, c'est la tendance générale, la première chose à faire, n'est-ce pas, pour la description du graphique. Ensuite, il s'agira de repérer et de caractériser les tendances séquentielles. Donc, en déterminant des périodes auxquelles, n'est-ce pas, elles correspondent. Et donc, ces tendances séquentielles, par exemple, au niveau de la courbe d'évolution, on peut prendre d'une année à une autre, donc qui
qui correspond à une tendance particulière et vous déterminez, vous nommez cette tendance. On peut dire de 1900 tel à 1900 tel, là, n'est-ce pas, nous avons une tendance ascendante. N'est-ce pas? De tel à tel, donc nous pouvons avoir une tendance stationnaire ou une tendance, n'est-ce pas, descendante. Donc voilà, en gros, n'est-ce pas, l'analyse des graphiques d'évolution. Donc il y a deux choses. D'abord, la première chose, c'est dégager la tendance générale. Et la deuxième chose, repérer et caractériser les tendances séquentielles. Pour les graphiques de répartition, nous allons... Voilà, une minute. Voilà. Donc, pour les graphiques de répartition, nous aurons aussi à dégager une tendance générale, la tendance générale. Ici, il s'agit de montrer si la répartition est équitable en fonction des États, des pays, des représentés, etc., où nous avons une répartition inégale. Donc, une tendance générale, d'abord, la tendance générale qui se dégage. Et ensuite, bien entendu, surtout quand il s'agit d'une répartition inégale, de comparer les données des différents espaces en les regroupant. Donc, en regroupant ces espaces. Et donc, regrouper, bien sûr, les espaces enregistrant les valeurs les plus élevées. Ensuite, ceux qui ont les valeurs les plus faibles et les espaces ayant les valeurs intermédiaires. Donc, il s'agira donc de comparer ces espaces en regroupant, n'est-ce pas, les pays ou les continents, les données des pays ou les continents, n'est-ce pas, qui peuvent aller ensemble. Donc, ça, c'est la description, n'est-ce pas, du diagramme en barre, donc, autant partition. Ensuite, l'explication. L'explication, il s'agit, en se fondant sur donc, les documents proposés et pour ses connaissances personnelles, de donner les raisons qui expliquent la situation qu'on vient de décrire. Donc, on vient, la première étape, dans la première étape, nous avons décrit le graphique. Il s'agit ici, maintenant, de montrer les raisons qui expliquent cette répartition ou bien cette évolution. C'est ce qu'on appelle l'explication. Et pour ce faire, on va se fonder sur les leçons qu'on a vues en classe, sur ses connaissances personnelles, c'est-à-dire sa culture générale, mais aussi on peut se fonder sur les documents qui sont proposés. À l'introduction, nous précisions que les documents peuvent être des textes, des graphiques, des tableaux, etc. Mais au niveau de ces documents, on peut tirer des informations qui nous aident à donner l'explication, n'est-ce pas, d'un graphique qu'on vient de décrire. Et donc, c'est cette étape que l'on appelle l'explication. Suivant. Après l'explication, on passe à l'extrapolation. L'extrapolation ici consiste à montrer les implications de la situation que nous venons d'expliquer, ces implications dans le futur ou avec d'autres espaces. Les implications, n'est-ce pas, de la situation qu'on vient de décrire, donc dans le futur ou avec d'autres espaces. Maintenant, au cas où la situation voilà. Donc, je disais donc, au cas où, voilà, la situation, n'est-ce pas, concerne un problème. Donc, porte sur des problèmes. Et donc, ici aussi, au niveau de l'extrapolation, on peut tenter de dégager des pistes de solutions. Donc, tout ça, n'est-ce pas, ça fait partie de cette étape que l'on appelle l'extrapolation. Suivant. Voilà, maintenant, nous allons passer
à l'état, au dernier point qui porte sur le graphique, donc qui porte sur l'analyse du diagramme en bas. Et ici, je vous propose d'abord un premier graphique qui est un graphique très simple, n'est-ce pas? Un graphique qui va nous permettre d'abord de mieux nous familiariser avec la méthodologie, n'est-ce pas, de l'interprétation. Et nous vous proposons ici un diagramme en barre qui porte sur les PIB de quelques pays. Ce diagramme-là, nous l'avons conçu en nous fondant sur le document 1 du sujet du deuxième groupe du bac de l'année passée, le bac 2023, le sujet du deuxième groupe. Et ici, nous avons utilisé les données des PIB, des quelques pays qui sont représentés, et pour concevoir ce diagramme. Et donc, dans ce diagramme, il s'agira, et donc vous voyez qu'au niveau de l'axe des abscisses, il y a des pays qui sont représentés. Et donc, pour l'interprétation de ce graphique, il s'agira de voir les pays qui peuvent aller ensemble, donc qui enregistrent les valeurs les plus élevées. Ici, on peut voir que ce sont les États-Unis, c'est également la Chine. Ensuite, on peut voir, n'est-ce pas, hein, le Sénégal qui enregistre la valeur la plus faible. Et ensuite, le Brésil est là, et le Japon, qu'on peut considérer comme ayant les valeurs intermédiaires. Donc, il s'agit de comparer donc les barres en se fondant sur ces différents groupes. Après cela, donc ça c'est donc la description, mais avant, au début déjà, on commence par montrer que nous avons une répartition inégale. Donc les PIB, les pays ont des PIB, n'est-ce pas, qui sont inégaux. Et après, on les regroupe avant de pouvoir donc continuer sur la seconde étape. L'autre étape consistera donc à expliquer maintenant pourquoi les États-Unis, la Chine ont les PIB les plus élevés. Pourquoi le Sénégal, le PIB, n'est-ce pas, le plus faible. Et ensuite, le Brésil et le Japon, pourquoi ils ont ces PIB intermédiaires. Ici, il s'agira de se fonder encore une fois sur la leçon. Et donc, la leçon nous permettra de savoir que les États-Unis et la Chine représentent les deux premières économies de la planète. Le Sénégal est un PMA, un pays moins avancé. Le Brésil est un pays émergent, une puissance du tiers-monde, mais qui n'a pas, n'est-ce pas, égal, qui n'a pas le même statut que les puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine. Le Japon, on va montrer que c'est une puissance, mais qui est en perte de vitesse. Donc, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ou bien, un peu plus d'une dizaine d'années, c'était la deuxième économie de la planète, mais une deuxième économie, n'est-ce pas, qui a régressé à la troisième place, et cette année, et d'après son PIB nominal. Et donc, le Japon vient encore d'être surclassé par l'Allemagne. Et donc, ce sont les explications qu'on pourra donner pour expliquer ce graphique. Après, maintenant, on passe à l'extrapolation. Et donc, au niveau de l'extrapolation, on peut parler du niveau de la Chine par rapport aux États-Unis. Et donc, la Chine, qui est la deuxième économie de la planète, qui a connu ces dernières années une croissance très rapide, et on peut se demander, on peut se poser la question de savoir est-ce que dans le futur, la Chine ne risquerait pas de rattraper les États-Unis, n'est-ce pas, en prenant sa première place de puissance mondiale. Mais aussi, on peut se poser la question au niveau du Japon, qui est une puissance en perte de vitesse, est-ce que dans le futur,
le Japon ne risque pas d'être rattrapé par d'autres puissances qui émergent. On peut penser à l'Inde, n'est-ce pas? Hein? On n'a pas déjà parlé de l'Allemagne, ainsi que d'autres puissances émergentes. Donc, voilà, par exemple, des exemples d'extrapolation qu'on peut faire, n'est-ce pas, dans l'interprétation de ce graphique. Et pour récapituler pour ce graphique, je reviens donc pour dire que dans la description, il s'agit d'abord de dégager la tendance générale en montrant l'inégalité qu'il y a au niveau des PIB, au niveau de ces pays. Deuxième chose, essayer d'expliquer, n'est-ce pas, également cela, essayer de décrire en regroupant ces pays en tendance, n'est-ce pas, la Chine et les États-Unis comme les pays qui enregistrent les PIB les plus élevés, le Sénégal comme le pays qui a le PIB le plus faible, le Brésil et le Japon qui enregistrent les PIB, n'est-ce pas, que l'on peut juger de moyens. Et maintenant, ça c'est la description et l'explication on va essayer de montrer que le Japon, la Chine et les États-Unis représentent les deux économies, les deux premières économies de la planète. Le Sénégal est un PMA, un pays moyen avancé, qui se caractérise par un PIB donc faible, alors que le Brésil est une puissance du tiers-monde, mais qui n'a pas le poids, n'est-ce pas, des puissances mondiales, alors que le Japon est une puissance mondiale, mais qui est en perte de vitesse. Et donc, c'est ce qui explique cette inégalité. Et ensuite, l'extrapolation, où on va parler du rattrapage possible, peut-être, des États-Unis par la Chine, n'est-ce pas? Également, le Japon qui risque d'être rattrapé par d'autres puissances émergentes, n'est-ce pas? Oui, et si l'élève peut avoir d'autres extrapolations également à donner. On passe au suivant. Donc, qui convient d'expliquer, donc d'analyser, c'est un graphique simple. Mais au bac d'habitude, on propose un graphique, un diagramme en barre mixte, ce qu'on appelle un diagramme en barre mixte, avec deux ou trois données, n'est-ce pas, pour chaque pays. Mais aussi, ce diagramme en barre peut-être un diagramme à évolution ou bien un diagramme à répartition. Le diagramme qu'on vient de commenter est un diagramme à répartition. Ce diagramme que nous avons ici, on peut considérer que c'est un diagramme à la fois de répartition et d'évolution. Un diagramme d'évolution, parce qu'au niveau de l'axe des abscisses, nous avons des années, mais un diagramme de répartition, parce qu'au niveau de chaque pays, nous avons trois données, trois variables que nous avons représentées. Et ces variables-là, n'est-ce pas, se répartissent en fonction de trois pays. Donc nous avons une variable, autant pour moi, mais qui est répartie, n'est-ce pas, dans trois pays. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas considérer que c'est une répartition. Ce diagramme donc, porte sur l'évolution du PIB des BRICS. Mais bien entendu, les BRICS qui sont comparés avec les États-Unis et l'Union européenne. Et donc, cette évolution porte sur la période de 2000 à 2028. Bien entendu, 2028, ce sont des prévisions du FMI. On l'a bien montré au niveau du graphique. Et donc, pour analyser ce graphique, dans la description, comme on l'a fait avec le premier graphique, il s'agit de dégager la tendance générale. La tendance générale, c'est que de 2000 à 2028, donc les PIB de ces trois groupes de pays représentés, n'est-ce pas, a connu une hausse. Donc, a connu une hausse. Tous les PIB. Mais aussi, il s'agit de montrer que cette hausse est inégale en fonction des groupes des pays. Ça, c'est une deuxième chose. Et maintenant, pour comparer les différents pays maintenant, on peut les comparer année par année. En 2000, on voit que le PIB des États-Unis dépasse largement les autres PIB et le PIB des BRICS était, n'est-ce pas, le PIB
est le plus faible. Mais quand on passe de 2002, de 2000 à 2010, on voit que le PIB des BRICS a connu une hausse considérable au point de se rapprocher de celui des États-Unis et de l'Union européenne, qui ont connu également une hausse. En 2020, le PIB des BRICS a presque rattrapé le PIB des États-Unis et a dépassé le PIB de l'Union européenne, qui a un peu stagné. Alors que le 1er janvier 2024, maintenant, on voit que le PIB des BRICS, n'est-ce pas, a dépassé celui des États-Unis, et le PIB de l'Union européenne a presque marqué le pas. Bien entendu, le PIB des États-Unis a connu une hausse, mais la hausse du PIB des BRICS a été beaucoup plus forte, raison pour laquelle les BRICS ont dépassé celui des États-Unis. En 2028, on note que, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'écart va se creuser entre les BRICS et les États-Unis, et donc avec la hausse encore des BRICS, n'est-ce pas, que les BRICS risquent de connaître en 2028. Donc, la description, c'est ça, on peut, n'est-ce pas, les comparer, n'est-ce pas, d'année en année, n'est-ce pas, donc, à chaque fois, les trois groupes de pays, leur PIB sont comparés et sont comparés d'une année à une autre. Maintenant, dans l'explication, il s'agira ici de montrer que les BRICS, d'abord, regroupent des pays qui connaissent une croissance économique très rapide. Alors que les États-Unis, c'est la première économie de la planète, mais tout le monde sait que les pays développés souvent se caractérisent par une croissance, par un taux faible. Alors que le taux de croissance de ces pays émergents, comme les BRICS, souvent c'est un taux de croissance qui parfois même dépasse, atteint deux chiffres, et donc raison pour laquelle leur croissance est rapide, ce qui explique que n'est-ce pas la croissance, l'augmentation rapide du PIB en fonction des années. Autre élément à signaler également, c'est que les BRICS ont bénéficié d'un élargissement. Le 1er janvier 2024, il y a 5 pays qui ont intégré les BRICS. Si leur PIB s'ajoute avec le PIB des BRICS qui était déjà là, et donc ça augmente le poids des BRICS, ce qui explique, n'est-ce pas, cette situation en 2024. En 2028 aussi, le FMI prévoit une croissance beaucoup plus rapide également du PIB des BRICS, et on pense également qu'avant cette période, il y aura d'autres élargissements, et s'il y en a, le PIB risque encore de connaître, le PIB des BRICS risque encore de connaître une croissance beaucoup plus forte. Même si la croissance des États-Unis, n'est-ce pas, le PIB des États-Unis connaît une croissance, mais la croissance de celui des BRICS risque d'être beaucoup plus importante. Et pour l'Union européenne qui connaît, à partir de 2020, n'est-ce pas, comment dirais-je, une stagnation, cela s'explique par le Brexit, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et donc ce qui forcément porte atteinte à son poids économique. C'est ce qui fait que, à partir de 2020, on voit que le PIB de l'Union européenne a connu, n'est-ce pas, une stagnation. Voilà les explications qu'on pourrait apporter au niveau de ce graphique. Maintenant, pour l'extrapolation, on peut considérer que si cette tendance se confirme, on risque d'arriver vers les années 2028 ou après à un monde avec plusieurs pôles. Et donc, l'économie mondiale ne sera plus peut-être dominée par les États-Unis et peut-être même avec
le G8, le G7, autant pour moi, avec la croissance des BRICS, mais on peut émettre également une réserve, n'est-ce pas, hein, en précisant que au moment où nous parlons, n'est-ce pas, l'économie mondiale est encore dominée par le G7, n'est-ce pas, même si ça peut être discuté en termes de PIB nominal si on compare le G7 avec les BRICS, n'est-ce pas, mais aussi avec le désir de contester, de se libérer de l'hégémonie des États-Unis, les BRICS risquent de s'imposer davantage dans la scène internationale, surtout avec leur projet, n'est-ce pas, de monnaie commune, ainsi que leur banque, etc., etc. Et donc, le dollar, peut-être, c'est une hypothèse, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, ne plus avoir le poids qu'il a aujourd'hui si jamais les BRICS parvenaient à avoir leur monnaie et s'ils parvenaient également à, n'est-ce pas, à accueillir de nouveaux membres à leur sein. Donc voilà, n'est-ce pas, l'extrapolation peut-être que je pourrais apporter à ce graphique. Et donc, M. Faye, l'éminent professeur M. Faye, qui est plus expérimenté que moi, aura peut-être à apporter des suppléments d'éclaircissement, n'est-ce pas, pour pouvoir. Voilà. Maintenant, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, M. Ndour. Nous vous remercions pour ce brillant exposé sur l'analyse de graphique. Vous êtes revenu de manière générale sur la méthodologie. Vous avez commencé d'abord par faire un rappel de la méthodologie sur la méthodologie. Vous avez rappelé les types de documents qui sont souvent soumis à l'élève durant les exercices. Vous êtes revenu aussi, vous avez rappelé aussi la définition de l'analyse. En rappelant aussi que quelquefois dans une consigne, nous pouvons avoir plusieurs tâches. Généralement, pour ces questions, nous avons d'abord la construction, et la construction est souvent suivie de l'interprétation ou bien de l'analyse d'un graphique. Vous avez rappelé aussi les types de graphiques, et nous en avons deux principalement. Les graphiques d'évolution et les graphiques de répartition. Mais cette situation nous révèle aussi que nous avons des graphiques passe-partout. C'est le diagramme à barre et le diagramme à bâton, qui semblent être à la fois, qui sont à la fois des graphiques d'évolution et des graphiques de répartition. Vous avez mis l'accent également sur le diagramme triangulaire, qui est un graphique de répartition d'une grandeur entre ces trois variables. Et vous avez donné l'exemple de la structure socio-professionnelle et la structure par âge, qui souvent peuvent être représentées sous la forme d'un graphique triangulaire. Vous avez rappelé les trois étapes de l'analyse, et ça, c'est important. Il s'agit à ce niveau, chaque fois qu'on demande à un élève de faire une analyse, il ne s'agit pas seulement de se jeter directement sur l'explication, mais d'abord de décrire, d'abord procéder à la description, c'est observer le graphique et dire ce que l'on voit, comment se présente notre graphique. Ensuite, donner les explications. Et là où ça devient plus intéressant, c'est au niveau de l'explication et de l'extrapolation. Généralement, pour nos élèves, ils ne se limitent seulement qu'à la première partie. Souvent, la description, ils disent tout simplement ce qu'ils voient, mais sans limite là, alors que pour cette consigne, l'élève est obligé de faire une description, d'expliquer les raisons, donner les raisons qui expliquent la situation qui se présente sous nos yeux, et enfin l'extrapolation qui montre que véritablement que l'élève a une certaine maîtrise, a une certaine connaissance de la situation évoquée. Donc, deux types de graphiques, l'explication, la description, et l'extrapolation. Et au niveau de l'extrapolation,
L'élève, donc pour l'explication, l'élève peut s'appuyer sur deux situations. D'abord, les documents qu'il a sous les yeux, qui souvent constituent une niche d'information, mais également la gymnastique entre les documents et son cours. Donc, dans l'extrapolation, l'élève donc est amené à faire une donc à rappeler, à faire une implication, à mettre l'accent sur l'implication future, mais également sur les interactions entre les différents espaces. En guise d'exemple, vous nous avez parlé du diagramme à barre simple, donc diagramme à barre simple, mais également diagramme complexe ou mixte. Nous avons pour les diagrammes mixtes qui constituent à la fois une synthèse des diagrammes de répartition, mais également d'évolution. Et je crois que les explications sont assez bien et claires à ce niveau. Donc, pour en résumer, donc, l'analyse d'un graphique, de manière générale, suite obéit à trois logiques. D'abord, la description, l'explication et l'extrapolation. Et là, j'ai une question que je viens de recevoir d'un élève qui pose la question de savoir est-ce que dans toute situation, l'élève peut choisir de faire le graphique qui l'intéresse? Car nous savons que dans votre exposé, vous avez rappelé les types de graphiques, diagramme à barre, courbe d'évolution, diagramme triangulaire, diagramme circulaire, diagramme en tiroir d'orgue, diagramme en banderole, nuage de points. Donc, il y a tellement une panoplie de graphiques. Est-ce que l'élève peut se permettre maintenant de réaliser le graphique qui l'intéresse en fonction des documents qu'il a? Répondre directement. Oui, allez-y, peut répondre. Alors, merci, M. Faye. Bien, comme vous le savez, il ne peut pas se permettre de choisir directement le diagramme qui l'intéresse. Le plus souvent à l'examen, on leur demande de choisir un diagramme pertinent, un graphique pertinent. Et le graphique pertinent, le mot pertinent, a son sens. Et donc, l'élève aura à faire un choix, bien entendu. Mais un choix qui porte sur les types de graphiques qui peuvent représenter, n'est-ce pas, la donnée qu'on lui a proposée. Et donc, si la donnée est une donnée de répartition, alors là, l'élève pourra choisir entre les graphiques de répartition. Mais si la donnée est une donnée d'évolution, et donc l'élève pourra à choisir entre les graphiques d'évolution. Maintenant, si par exemple, mon choix a porté sur le diagramme en barre, c'est, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est parce que le diagramme en barre est un diagramme passe-partout. Et pour la plupart des cas, quand on demande à l'élève, n'est-ce pas, de choisir, de représenter un graphique pertinent, et donc l'élève peut, pour la plupart des cas en tout cas, l'élève peut directement utiliser le diagramme en barre qui peut représenter à la fois des données d'évolution et des données de répartition. Mais à chaque fois, l'élève doit voir est-ce que la donnée est une donnée d'évolution ou est-ce que la donnée est une donnée de répartition afin de faire le choix de graphique qu'il aura à faire. Très bien, Merci. merci. Donc, je vois qu'il nous reste 9 minutes. Donc, d'abord faire un bref rappel en rappelant que la séance d'aujourd'hui devrait porter essentiellement un guide d'exemple sur le diagramme à barre. Donc, les élèves sont appelés à ce niveau donc à essayer de maîtriser tous les graphiques, mais laisse essentiellement. Les élèves sont obligés, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que le diagramme à barre est un diagramme passe-partout. Mais dès qu'on met l'accent sur un diagramme pertinent, il y a forcément un graphique plus pertinent que l'autre. Obligatoirement, un graphique plus pertinent que l'autre. Exactement. Bien, ça, c'est un détail à ne jamais négliger. Il faut également rappeler aux élèves qu'ils n'ont pas le droit de se limiter seulement. Car l'analyse donc comprend trois tâches.
Généralement, il se limite à la première partie de la consigne. Donc, la première tâche, c'est la description. Généralement, même en histoire, c'est toujours le cas. Donc, il se limite seulement à une réponse très vague. Alors, donc, pour le cadre graphique, donc, l'élève se limite seulement à décrire, mais ne met pas l'accent sur l'explication, qui semble quelquefois un peu difficile pour ces élèves-là. À plus forte raison maintenant de passer à la troisième étape qui est l'extrapolation. Donc, c'est là où nous invitons nos élèves à faire plus, à opérer plus de rigueur à ce niveau et de comprendre que l'analyse ne signifie pas seulement décrire, mais il y a la description, l'analyse et l'extrapolation. Bien. Si vous avez autre chose à ajouter, monsieur Ndour? Bon, sinon, encore, demander aux élèves de faire, de choisir surtout à l'examen le diagramme qu'ils maîtrisent le mieux. Donc, mais en tenant compte, bien entendu, de ce que nous avons signalé tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours voir si la donnée est une donnée de répartition et de voir parmi les diagrammes qui peuvent représenter une répartition. Le diagramme que l'élève, n'est-ce pas, maîtrise le plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque fois, donc, fois qu'on a une donnée, il y a un diagramme plus pertinent, plus spécialement. Mais là aussi, on est à 2 jours de l'examen. Je sais que il y a certains élèves, ce qu'ils n'ont pas pu maîtriser pendant toute l'année scolaire, il ne faut plus le faire d'ici mardi. C'est pourquoi je leur demande surtout de choisir le diagramme qu'il maîtrise, et n'est-ce pas, et de le construire. Donc, mais en tenant compte des types de diagrammes, si c'est un diagramme à répartition ou c'est un diagramme en barre. Merci. Alors, une autre question, monsieur Ndour, qui arrive, c'est concernant la construction de graphique. Nous remarquons que je crois bien que la question concerne le diagramme complexe, où vous avez trois bandes. Quelquefois, c'est deux bandes, mais ici, vous avez présenté un graphique avec trois bandes. Et les couleurs, est-ce que l'élève est obligé toujours régulièrement d'utiliser des couleurs, obligatoirement, pour faire sa légende? Voilà, il faut savoir que les couleurs permettent de distinguer les données, les variables. Et donc, si un élève qui est à l'examen, qui est en salle d'examen, peut ne pas avoir le matériel, donc un paquet de crayons de couleurs qui lui permettent de pouvoir colorer. Dans ce cas, il a la possibilité, à la place des couleurs, d'utiliser des figurines. Donc, pour distinguer les barres, n'est-ce pas, et de faire sa légende. Donc, la couleur, c'est bien, ça permet d'embellir, mais ce n'est pas indispensable, donc ce n'est pas obligatoire. Donc, à la place des couleurs, l'élève peut utiliser le crayon, n'est-ce pas, avec lequel il a construit son graphique, et utiliser des figurines. La première barre, on met des plus, la deuxième barre, on met des zéros, des O, etc., pour distinguer les barres. Merci beaucoup, Monsieur Ndour. Je crois Merci. que nous sommes presque à la fin de la séance. Donc, tous nos remerciements. Je crois que nous n'avons pas regretté d'avoir porté notre choix sur votre personne. Et maintenant, professeur d'histoire et de géographie, nous nous sommes bien régalés en vous écoutant faire cet exposé sur l'analyse, qui prend en charge presque toutes les questions et toutes les difficultés auxquelles les élèves peuvent être rencontrés pour ce genre d'exercice. Je crois que les élèves qui ont la chance d'assister à cette séance ou qui ont la chance de voir la vidéo, donc pourront avoir une chance de régler certaines difficultés auxquelles ils sont souvent soumis. Merci encore une fois, M. Ndour. Merci à toute l'équipe de CENOM. Merci à Minapo. Merci à nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour la réussite de ces rencontres. Merci beaucoup, Monsieur Ndour. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci aussi à Calvin. Merci aussi, comme tu l'as dit, à Sainte-Thérèse.
Madame la Présidente, donc nous pouvons quitter. Ça va? Ouais. Ouais, c'est bien.